Moso pam non c'est paradis. Héritage moins bon satisfaction. M'a fait louange, bon Dieu qu'instruit moi. Même non nuit, moi senti l'autre moi. Bon Dieu, c'est héritage moins. Frère Maxomio, mes amis internautes. Donc, on a une fois encore la caillou pour nous capables de présenter et de causer sous saint à l'école des saints. Jeudi, c'est 30 juin. Et l'Église a fait mémoire les premiers martyrs de l'Église de Rome, les premiers martyrs des chrétiens de Rome. Ce n'est pas un saint, en réalité, en quelque sorte, mais c'est un groupe de personnes, un groupe de chrétiens qui, d'après elle, connaît martyrs. On dit au nom de leur foi, et que l'Église a présenté nous comme modèle, et que je dis à que c'est 30 juin, on a fait mémoire de eux. Son mémoire, de cap dit facultative, comme c'est mentir, couleur yo c'est rouge, mais jour 30 juin, on est capable de porter couleur vert, parce que c'est pas une mémoire obligatoire, donc son mémoire facultative. Les martyrs des premiers chrétiens de Rome. Alors, c'est un groupe de chrétiens, donc Abdi, qui n'est pas dénombré en tant que tel. Donc, nous ne connaissons pas quelle quantité de chrétiens qui ont été tués dans le moment, ça, dans l'époque. Ça. Et après, une grande persécution a été ouverte sur eux, contre eux, entre 64 et 68 après Jésus-Christ. Alors, persécution, ça. Les suscités avec l'empereur Néron à l'époque, on dit Néron, les fêtes dans l'année 37, les balambouris dans l'année 68. Et Néron, je dis que normalement, il t'a dirigé, il t'a régné, il t'a gouverné. Et mais après, il a gagné des rues, des quartiers à Rome qui étaient malsains. La salubrité était en pile dans le quartier Sayo. Et que Néron a besoin de détruire la ville Sayo, le quartier Sayo, pour te construire, faire de. Une nouvelle construction, pour te rebâtir la zone. Mais il faut te jouer une façon pour être capable de détruire la zone. Et maintenant, il y a un gros incendie qui va péter dans la ville. Et Néron, qui vient de trouver dans ses souliers, il faut qu'il cherche un bouc émissaire pour lui dire qui est-ce qui fait incendie ça comme empereur. Les doués, enfin, protéger le peuple là. Sauvegarder le peuple là, les doués peuple la protection. Donc voilà qu'on a eu un incendie, donc les doués peuple la explication. Et bien, Néron, tu as pris la guerre, Chaïla, sous dos chrétien. De façon, il est capable de tout exterminer chrétien, détruire chrétien. Il t'a dit, donc c'est chrétien qui cause ça, c'est chrétien qui fait ça. Et il y a eu une grosse persécution de 64 à 68, le Néron a mouru sous dos chrétien. Ça, et il y a plein de monde qui est inséré dans mort Paul avec Pierre dans l'espace de persécution ça. D'ailleurs nous allons célébrer mais nous fait mémoire de premiers chrétiens martyrs ça de Rome et tout de suite après nous autres célébrer nous fêter grandiosement amplement la fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul apôtre. Donc nous fêter tout de suite après donc 29-30. Et c'est comme ça donc l'église là fait mémoire de chrétiens martyrs ça. Mais faut qu'on dise que chrétiens ça ont été morts, ont été morts vraiment laid. Et tactique que l'empereur Néron a utilisé pour les tuer, il y a pile là-dedans, il était crucifié, il était cloué sur quoi. Grand pile l'autre, il était habillé avec des peaux de bête et puis mettait dans des cercles, on dit est-ce que c'est pas une sorte d'arène que lui mettait yo pour que des bêtes féroces viennent attaquer yo viennent déchirer yo viennent manger yo et il y a l'autre même c'était décapité c'était avec tué avec épée c'était était tué de façon avec un jeu de bonne fait la chasse on prend et puis tué yo il était mort vraiment laide et on était mettait au nom sorte de endroit une sorte d'espace pour que tu es capable de faire plaisir à ben, tout le peuple romain, pour que tu es capable de faire plaisir, faire entretuer l'une l'autre
tuer une, tuer l'autre. Ou bien des bourreaux là, spécialement pour ça, pour capable tuer eux. Et puis, quelqu'un pour l'autre, nous capable de garder, capable de rire, capable de ridiculiser eux. Donc, c'est donc ça qu'on est menti, on va le mourir. Et nous avons crucifié surtout, par exemple, dans l'après-midi, pendant la journée, nous avons crucifié. Et puis, le soir, nous avons mis du feu sur eux. Imaginez, pendant que nous avons quoi. Et puis après, ils ont allumé, ils ont mis du feu sur eux. Après, ils ont crié. Donc, au contraire, du feu, ça a retourné lumière pour éclairer la ville. Pour tellement de gens qui comment ils étaient morts vraiment dur. Ils étaient connus aux martyrs qui vraiment est désagréable à voir. Mais c'est au nom de leur foi, c'est au nom de leur foi, qui fait qu'ils ont accepté de mourir. Et ils parlent des premiers martyrs, des premiers chrétiens martyrs de Rome. Et Guillaume V qui était dit, le sang des martyrs est semence pour l'Église. Donc c'est grâce avec sang ça qui découlait qui fait que nous sommes capables de l'Église comme ça. On va imaginer ces chrétiens ça y ont été pas d'accord pour être capable on dit qu'on est martyr pour Jésus pour que ça pour mettre là. Donc nous sommes capables pas gagner l'Église ça que nous gagnons venir vous dire. C'est parce que bien justement ils étaient d'accord pour capable qu'on est martyr qui fait que nous gagnons qualité l'Église ça que nous gagnons venir vous dire. Alors c'est de yo c'est fait ça que nous faisons aujourd'hui hein. Et tout le monde qui accepte bien la vie ben tout le même pour cause d'évangile là nous dire bonne fête et n'a pas pensé dans prière pendant journée hein. Avec tout cela qui a souffert tout cela qui a persécuté et jusqu'à présent à travers le monde au nom de leur foi en Jésus leur foi en Christ. Donc nous allons finir avec prière ça que l'Église a retenu pour et les martyrs, pour ces martyrs de Rome, les premiers chrétiens martyrs de Rome. Dieu qui a consacré par le sang des martyrs les magnifiques débuts de l'Église de Rome, fait que leur courage dans le combat nous obtienne une force inébranlable et la joie de la victoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Mon Dieu, c'est héritage moi.